Dans une interview avec Dominique Lagrousse sans père, Nathalie Marquet, la veuve de Jean-Pierre Pernaut, a évoqué l'ultimatum qu'elle a posé à celui qui allait devenir son mari. Il occupe encore une place importante dans les esprits. Il y a près d'un an, le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernaut, l'ex-présentateur star du journal de 13h de TF1 mourait des complications liées à un cancer à l'âge de 71 ans. Sa mort fut une énorme perte pour celle et ceux qui l'admiraient et surtout pour sa veuve, Nathalie Marquet, avec laquelle il a été en couple pendant 20 ans. Ils s'étaient rencontrés lors de l'élection de Miss France 2002 remportée ce soir-là par Sylvie Tellier. Nathalie Marquet a posé des conditions à Jean-Pierre Pernaut lors de leur rencontre. Nathalie Marquet a accordé une interview YouTube à Dominique Lagrousse sans père que Jean-Pierre Pernaut connaissait bien pour avoir travaillé à ses côtés dans le cadre du journal de 13h. Celle-ci était en charge des opérations spéciales comme SOS Village et Votre Plus Beau Marché. Face à la journaliste, la veuve de Jean-Pierre Pernaut s'est exprimée à cœur ouvert sur sa rencontre avec le présentateur. « J'étais sur la plage à 13h, je regardais le 20h mais pas le 13h. Quelle honte. Il a adoré ma franchise. » Nathalie Marquet a aussi évoqué l'ultimatum qu'elle a posé à celui qui allait devenir son mari. « Lors de notre premier rendez-vous, j'y suis allé au culot. Je lui ai dit, t'es l'homme de ma vie. Je veux avoir des enfants avec toi. Si tu n'es pas d'accord, je pars. Je ne reste pas assise avec toi au restaurant, ce n'est pas la peine qu'on continue. » Il a dit, on va discuter. 3 mois après, je suis tombée enceinte. On s'est fiancé 2 mois après. Si est ma destinée, dit-elle très émue. Une grande maison en Bretagne sans Jean-Pierre Pernaut, une destinée qui a mené Nathalie Marquet et Jean-Pierre Pernaut à devenir d'abord les parents d'une fille, Lou, née le 14 décembre 2002, puis de Tom, né le 5 décembre 2003. Ils vivent dans une grande maison située en Bretagne et dont l'ex-Miss France avait ouvert les portes à l'occasion d'un reportage pour 50 Minutes Inside en octobre dernier. Même s'il n'est plus là physiquement, la présence de Jean-Pierre Pernaut plane toujours au sein de cette demeure et de la famille Marquet-Pernaut. À lire aussi, je me posais des questions, Nathalie Marquet avoue avoir été jalouse d'une collègue de Jean-Pierre Pernaut.